Salut tout le monde, et on se retrouve pour une découverte manga, l'un de mes premiers coups de cœur. Il s'agit du manga Black Cat. Donc tout d'abord, Black Cat c'est quoi? C'est un chat noir. Bravo, tu veux des croquettes? C'est tout d'abord un shonen de 20 tomes édité chez Glénat en France et 23 épisodes plus un OAV qui ont été également édités en version française. L'auteur est également le créateur du manga To Love Ru, le pur manga de pervers. Mais putain, je me demande quand même comment l'auteur a fait pour passer de ça à ça quand même. Y'a vraiment un problème là. Ben quoi, moi j'aime bien les opailles. Bref, on va partir sur l'histoire de Black Cat. C'est donc un assassin du nom de Train Hartnett, un membre de Chrono Numbers, le numéro 13, surnommé Black Cat. Train va donc rencontrer une chasseuse de primes du nom de Saya, elle va donc changer la vision de voir les choses de Train. Donc évidemment, un assassin qui devient gentil, ça peut poser des problèmes au niveau de l'organisation, donc vous devez bien deviner qu'il va se passer quelque chose. Ce manga mélange amour, baston, amitié et encore plein de choses. Par contre, j'ai juste littéralement envie de casser mon écran quand je vois des fins d'épisodes comme ça, mais c'est presque pratiquement tout le temps comme ça. Creed, Train, tu ne crois pas qu'il serait temps d'ouvrir les yeux? Tu vas payer pour ce que tu m'as fait! À suivre. Train va s'allier avec Sven Wohlfeld qu'il a rencontré un peu plus tôt dans le manga au fil des missions qu'il avait à accomplir. Et donc Sven est donc un gentleman par excellence et d'une classe incommensurable. En plus, il a la voix de Léolio dans Hunter x Hunter. Toi, ferme-la et va regarder ton manga To Love Ru. Ensuite, ce sera donc à vous de faire votre propre opinion de ce manga. Et là, je vais peut-être me prendre des coups, mais moi je trouve que la VF est pas trop mal. En tout cas, j'espère vous avoir fait découvrir un bon manga. Si je vous ai fait découvrir un bon manga, n'hésitez pas à partager la vidéo et mettre un petit like en bas de la vidéo et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Et encore merci à Benkai d'avoir fait la deuxième voix. De rien, il cousait.